La conquête des âmes est bien lancée à la CMCI Côte d'Ivoire depuis l'ouverture de l'année. Joint aux prémices de moissons enregistrées dès le 1er janvier au Festival de louanges et d'actions de grâce, toutes les églises sont engagées à poursuivre les objectifs fixés en termes de croissance des effectifs. C'est le cas de l'église d'Adjamé à Abidjan qui a entamé cette année avec une croisade d'évangélisation qui a été marquée par 3 journées de salut les dimanches 7, 14 et 21 janvier 2024. Pour la dernière en date, c'est le pasteur Boniface Meynier, leader de la CMCI Côte d'Ivoire, qui en a été l'orateur. Le prédicateur a ouvert son message par le commentaire de Jérémie, le chapitre 23, le verset 16 à 17, exposant le ministère des faux prophètes en tant que des instruments entre les mains du diable pour envoyer les âmes en enfer. En effet, ceux-ci n'annoncent pas aux hommes ce qu'ils devraient leur annoncer de la part de Dieu. Pendant que Dieu dit qu'il n'y a point de paix pour le méchant, eux, ils annoncent la paix et le bonheur aux voleurs, aux menteurs, aux prostituées et criminels de toutes sortes. Gardez-vous des faux prophètes. Keep yourself from evil or false prophets. Pourquoi? Why? Les faux prophètes, the false prophets, sont des instruments que le diable utilise, are tools that the devil uses, pour amener les gens dans le lac de feu, to send people into the lake of fire. Ce que je veux dire, what I want to say, quand nous allons expliquer les Écritures, when we start explaining the scriptures, ça peut être le contraire de ce que les faux prophètes ont déjà dit. It may be the contrary of that which the false prophets have already said. À certains, on a dit, vous êtes des grands hommes. To some, they said, you are great men. Dieu va vous utiliser puissamment. God is going to use you mightily. Ils ont dit, le mariage là, c'est à la porte même. They said that marriage is at hand. À d'autres, ils ont dit, c'est toi qui vas même régner. And to others, they said, you are the one who is going to reign. Dieu a dit dans Jérémie, God said in Jeremiah, ne les écoutez pas. Do not listen to them. Ils vous trompent. They are deceiving you. Ils disent aux gens qui me méprisent, they tell the people who despise me, vous aurez la paix. You will have peace. Et les gens sont contents. And people are happy. Ils disent, ils auront la paix. And they said they will have peace. Le prophète m'a dit que j'aurai la paix. The prophet told me that I will have Dieu peace. Dit, God says, ils n'ont pas assisté à mon conseil. They didn't take part into my counsel. Ils ne savent pas ce que je planifie. They don't know what I'm planning. Ils ne connaissent pas mes voies. They don't know joy. Ils ne connaissent pas mes arrêts, les choses que j'ai décidées. They don't know the things which I have decided. Et Dieu dit, and God says, s'ils avaient assisté à mon conseil, if they had taken part into my counsel, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. They would have let my people know about my words. Ils auraient aidé mon peuple à quitter le péché pour être béni. They would have helped my people to leave sin, to abandon sin and be blessed. Gardez-vous des faux prophètes. Lancé donc dans une bataille pour arracher les âmes du chemin de la colère de Dieu, le pasteur Meynier, à partir du commentaire du passage de Romains, le chapitre 1, le verset 18 à 32, annonce aux âmes que la colère de Dieu est réservée à tous ceux qui sont rebelles à la parole de Dieu. Romains 1, verset 18. Romans 1, verse 18. La colère de Dieu, the wrath of God, la colère de Dieu, the wrath of se God révèle du ciel is revealed from above contre toute injustice against any unrighteousness des hommes of men qui retiennent la vérité captive. Who keep truth captive, la colère de Dieu, the wrath of God, est réservée aux hommes is reserved qui connaissent la vérité de Dieu, who know the truth of God, mais qui la piétinent, but who's treat on it, qui la gardent prisonnière. And they keep it, c'est-à-dire quand in tu prison es, que personne ne te trompe. Let no one deceive you. Dieu va juger les hommes. God will judge people. Il les juge même déjà. He has even started judging them. Le texte que nous avons lu, the excerpts that we have just read, montre comment les gens souffrent parce qu'ils ont désobéi. Show how people suffer because they have disobeyed. Et ce qu'ils peuvent faire, and what they can do, pour être sauvés. To be saved. Dieu réserve le jugement. God has reserved judgment contre tous ceux qui sont rebelles. To all those who are rebellious. Tous ceux qui ont connu son œuvre. All those who had known, who know his work. Mais qui l'ont jeté par terre. But who cast it down. Pour adorer les idoles. And worship idols. Les hommes, bien qu'ayant connu Dieu, qui s'est révélé de plusieurs manières, notamment à travers les merveilles de sa création que l'humanité peut constater, ils ont préféré se livrer à la folie de l'idolâtrie et aux œuvres des ténèbres.
ce qui les rend inexcusables quant à la colère de Dieu à laquelle tous les pécheurs sont voués. La colère de Dieu, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et toute impiété against any ungodliness and unrighteousness des hommes qui retiennent la vérité captive. Who keep truth parce que ce qu'on peut connaître de Dieu, Dieu le leur a fait connaître par ses ouvrages. Because all that we can know from God, God revealed them to him through his words. Même ta conscience, even your conscience, te dit tells you que ce que tu fais n'est pas bien. That what you are doing is not good. Et tu dis, je m'en fous. And you say, I don't care. Tu ne seras pas libre. Quand tu vis dans le désordre, when you live in disorder, même si les faux prophètes te trompent, even if the false prophets la vérité, deceive you, the truth, c'est que tu es déjà rejeté. Is that you have already rejected. Si tu meurs dans cet état, if you die in this condition, tu vas dans le lac de feu. You go into the lake of fire. Personne ne te trompe. Dieu ne veut pas qu'on te trompe, que tu vas pécher et mourir tranquillement. Tu seras tourmenté. God doesn't want us to want you to be deceived that you will sin and you will live et quietly. Dieu a dit dans sa parole, il n'y a point de paix pour le méchant. Dieu ne permettra pas que tu aies la paix, il ne le permettra pas. L'homme pécheur est donc sous la colère et le jugement de Dieu. Cependant, Dieu dans son amour et sa bonté a sa main tendue pour sauver tous ceux qui se répandent et qui reviennent à lui par la foi et la soumission en Jésus-Christ, comme l'orateur n'a pas manqué de le rappeler. Jésus te dit, Jesus tells you, je t'offre, I offer you une opportunité. An opportunity. Tu peux changer ce matin. You can change this morning. Il te dit, he tells you, tu souffres, you are suffering. Tu veux vraiment changer? Do you really want to change? Est-ce que tu regrettes vraiment? Do you really want to change? Jésus te dit, Jesus tells you, mon fils, my son, est-ce que tu regrettes? Do you regret? Est-ce que tu regrettes? Do you regret? Si tu dis oui, Seigneur, if you say yes, Lord, il te dit, viens. He tells you, come. Viens prendre de l'eau et bois et vis. Come and take the water of life and drink and live. Accept que tu es fou. That you are mad. Que je vais te soigner tout de suite. That I'm going to heal you right now. Reconnais. Acknowledge. Que fumer, boire l'alcool, chercher les femmes, c'est une abomination. That smoking, drinking alcohol, seeking women is an abomination. Viens. Come. Viens rejoindre ceux qui lavent les robes tous les jours. Come and join yourself to those who wash their clothes every day. Et il te dit, and he tells you, je vais te transformer. I will transform you. Je vais te délivrer. I will deliver you. Si tu veux Jésus, if you want Jesus, lève ta main. Raise your hand. Si tu veux ce Jésus, if you want that Jesus, lève ta main. Raise your hand. Viens ici devant. Come here in the front. Venez vous tenir ici. Vous tous. Come and stand here in the front. Jésus, 147 personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ en ce jour, joint aux 44 personnes qui ont été gagnées au programme précédent, donnant un total de 191 personnes conduites à Christ pour ces 3 jours de salut qui ont marqué cette croisade d'évangélisation. Notons qu'au cours de ces programmes, les âmes étaient conduites à la repentance séance tenante et à l'issue de ces 3 jours de caravane, les 7, 14 et 21 janvier, ce sont en tout 75 âmes qui ont reçu le baptême dans l'eau. Thank you.